J'espère, n'oublie pas. Je ne sais pas, on dit que c'est 20 ans. Mais ma chérie, c'était une sale histoire. Il y avait des flics partout. Des flics partout. Et à toi et lui, comment? Hein? À toi et lui, comment? Avec un coup de couteau, ma chérie. Coup de couteau? Oui. Pourquoi tu ris? Il fait ça doué comme un cochon. Tu es folle. Comme un cochon, ma fille. Oui. Pas ça. Non, c'est pas drôle ça, c'est très sérieux. Il y avait du temps partout. Tu ris parce que tu étais au Brésil, ma chérie. Mais oh là nous là étions là, hein. Il y avait du sang partout. C'était rouge comme ça. Tout. C'est horrible. Quel horreur. Écoutez, il délibère, hein. Alors attendons. Je sais pas pour combien de temps ils en ont. Vous avez entendu, le procureur a réclamé 15 ans. Le procureur a réclamé 15 ans. Il ne les aura pas, évidemment. Qui je suis? Je suis le frère de Zoé, voilà. Le frère, je suis son frère. Je suis son frère sur le papier, hein, à la mairie. Mais normalement, non. Normalement, j'ai rien à voir avec elle. Pour moi, elle est morte. Elle l'avait, cette idée, hein, déjà, de faire de la boxe. Et pour moi, c'est pas un métier de femme, la boxe. Moi, j'ai voulu qu'elle continue ses études, qu'elle fasse quelque chose de plus féminin, quoi. Là, boxe. Non, c'est pas un métier, ça, enfin, quoi. Et puis, bon, vous voyez où ça mène, hein, la preuve, hein. J'estime que j'ai une femme un peu extraordinaire, quand même, boxeuse. Vous vous rendez compte, il n'y en a pas tellement, hein. Elle est boxeuse, c'est une victime de son... Non pas de son milieu, mais victime du destin. Mais je dis, est-ce que c'est vrai, c'est Zoé qui l'a tué, cet homme-là? C'était un surprise, c'était un choc. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait, encore ça? Et puis là, j'ai attendu qu'il est en prison. Et nous étions installés à côté de son maison. Et il était tout petit quand nous étions venus. Il était brutal, il voulait jouer boxe, il a aimé ça. Qu'elle était partie avec ce type qui s'appelait
Comment ils ont... Arnold, c'est ça, hein, je l'ai su par le journal, je ne le connaissais pas d'ailleors. Il était plus âgé qu'elle et qui lui a appris la boxe, il l'a vraiment entraîné puis qu'il l'a mis dans ce milieu là. Voilà. Et là, à ce moment-là, ben, j'ai plus de nouvelles d'elle. C'est une victime. D'ailleurs, les médecins psychiatres l'ont bien reconnu. Les trois, enfin, le médecin psychiatre, le médecin du comportement et le psychologue aussi. Responsabilité atténuée, fortement atténuée. Alors, ça devrait nous permettre de la voir sortir assez rapidement. Il y aura une peine prononcée aujourd'hui, c'est évident, parce qu'on ne peut pas quand même se débarrasser de son bonhomme comme ça, par un coup de poignard, et puis qu'on ne parle plus. Ça devait arriver parce que vous avez des rapports de force. Ça devait, non, on ne peut pas dire que ça devait arriver, ça pouvait arriver. Ça pouvait, c'est arrivé. De force très ambiguë. Mais dire que c'était obligatoire, non. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Non, mais sur les derniers temps, ça ne pas dire des choses. On ne peut pas dire que c'était obligatoire. Sur les derniers temps, Jacques, ça sentait. Oui, mais... On a parlé. Ouais, mais enfin, de là, donner la mort à quelqu'un, tu réfléchis toujours avant, quoi. Là, donc, il faut pas... Ouais, je connais ça, Arnold. Pas vraiment, c'était... C'était un pourri parmi tant les pourris qui avait ses bons côtés et ses mauvais côtés. Il était serviable quand il avait envie d'être serviable et puis il était crapule quand il voulait être crapule. Il fallait savoir naviguer avec lui, c'est tout. Ouais. Prépare pas dans ta gueule, toi. Ouais, non, mais enfin, bon. Ça, c'est très très vieux d'abord. Très très vieux, il a magouillé un peu là-dedans, un sort de combat arrangé, tout ça à une époque. D'ailleurs, il était obligé de s'arrêter parce que c'était devenu un peu compliqué pour lui. Voilà. Les paris organisés, tout ça, quoi. Mais bon, ouais. Bon, c'est bien, hein. C'est des trucs qui n'existent plus, quoi. Chapeau. 250. Oui. Ouais. Faut pas être malheureux dans ça. Moi, je suis pas malheureux. À Lola, à nous, il organisait des luttes, il aménageait toutes les luttes des boxes, tout ça, il achetait avec tout l'argent. Bon, après, il est disparu avec son argent. C'est ça que j'ai appris par la presse, si c'est vrai, je ne sais pas. Il a disparu avec son argent et elle a passé des années, et après, elle est réapparue pour se venger. Elle est revenue à un homme, parce qu'elle était déjà un peu baquée. Et elle est rentrée dans cette boîte, on pensait que c'était un garçon. Et enfin, ma chérie, un jour, elle a bien médité ça et s'est vengée.
sais pas trop, parce que c'est des gens qui racontent des histoires. Ah, mais c'est tout passé. C'est tout passé, tout ça. On n'est pas... On est tu sais qu'il était quand même une ordure avec les artistes. Hein. Ça, je le sais très, très bien. Heureusement qu'il ne l'a pas pris. Hein. Oui. Heureusement. Louis, par contre, il a bien souffert. Hein. Moi, oui, un petit peu comme ça de vue, mais je n'ai pas travaillé avec. Hein. Oh, c'est froid, c'est dur quand même, comme homme. Le Jean Patron, vraiment patron. Hein, c'était vraiment quelque chose. Hein. C'était un vicieux, quoi. C'était pas un dur. C'était un vicieux, ce mec. Mmh. Quand tu l'as connu peut-être il y a un an et demi, c'était un vicieux, ce mec. Enfin, vous vous rendez compte de ce milieu. Après, elle est rentrée dans des trucs de travesti, de choses comme ça. Mais c'est fou, ça. C'est rien du tout. C'est quoi, ça? Milieu de travesti, c'est pas sain, ça. Enfin, nous, je sais pas, moi, on n'a jamais vécu comme ça. Je dis, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte pour tout le monde, pour ma famille, pour mes gosses, pour tout ça. Mais tu ne sais pas de l'histoire, tu vas savoir. Oui. Oui. Tu vas être surprise. Écoute-toi. Monsieur Albert, j'ai appris ça à la presse, je ne sais pas si c'est vrai. Imagine Babad. Je ne sais pas si c'est vrai, mais Monsieur Albert, dans les journaux, on dit que c'était une femme. Oui. Monsieur Albert, la presse a dit que c'était une femme. Monsieur Albert. Oui. La presse dit. Oui, mais laisse-moi te raconter. Raconte tout. Non, laisse-moi te raconter. Non, tu rigoles, mais c'était très sérieux. Écoute-moi. La presse a dit qu'il y a 20, elle faisait de la porte. Oui. Féminine, hein, et qu'il y a Arnaud, celui-là, que tu connais très bien. Ménager. Non, pourquoi tu ris, ma chère? Mais écoute, ma sœur, c'est vrai, oui. C'est vrai, c'est là, c'est vrai. Non, mais j'ai quoi. Oui, donc, elle s'appelait Zoé. Monsieur Albert s'appelle Zoé. Comment je l'ai rencontré? Je l'ai rencontré au travers d'une annonce que j'ai fait paraître dans un canard pour jouer le rôle du Père Noël pour les saisons des fêtes. Quoi. Et il a répondu tout de suite et on a eu un bon feeling tous les deux. Dès le premier jour, ça a super bien marché. Quoi. Puis après, on ne s'est plus quitté. Ça faisait la deuxième saison que je faisais avec. Et puis on n'a pas terminé la troisième, pour ce que vous savez, quoi, cette histoire qu'il y a eu. Dans son comportement, une fois on a eu une embrouille dans la rue, quoi. Il est intervenu, je te dis pas, quoi. C'était pas le comportement d'une nana. Sentait presque le comportement de quelqu'un qui se défendait comme un mec, quoi. D'ailleurs, j'ai appris par la suite, par les journaux, justement, qu'elle avait fait des combats de boxe, et ça m'étonne pas aujourd'hui, quoi. Parce que je l'ai vu à ses mains, je voyais que... C'est quand même une personne marquée, quoi. Quelle raison vous intéressez à ce fait divers là? Ça vous frappe cette histoire? Ça, c'est sûr. Moi je pensais que c'était un homosexuel. Il avait des allures féminines, alors je pensais que c'était un homosexuel, mais je pensais pas que c'était des femmes.
jamais su vraiment la vérité. Je sais pas si c'était homosexuel, je sais qu'il avait quitté le métier, mais qu'il avait gardé le matériel. Ça, c'est sûr. Oh, Joli, tu compris, là. Oh, bravo. C'est tout ce que je fais. C'est une femme qui a abandonné son identité de femme pour en arriver là, à une vengeance. C'est peut-être une petite histoire d'amour dans sa tête qui s'est mal passée. Ouais, bon, je pense que c'est 20 ans de prison à son fait. Non, elle ne mérite pas. Elle ne mérite pas. Ça va, Arnold, il était vraiment... C'est pas ce que je t'ai dit tout à l'heure. Arnold, il était un peu... pas clair et net non plus. Oui, mais là, il n'est pas que des... Écoute... Il n'avait pas que des mauvais côtés. Oui, mais c'est plus que de la préméditation, c'est du règlement qui doit avoir lieu, quoi. Ça doit se passer. Ce qu'elle a fait, chapeau. Il y en a plein qui auraient aimé, des fois, faire un peu... C'est 25 dernières années de sa vie dans la... Ben ouais, mais tant pis, mais c'était un délire, mais mené à fond. Un délire mené à bout. Ah ben oui, vous avez vu à quoi elle ressemble. Sa tête a été marquée quand même. Alors elle trouve qu'elle passe mieux en homme qu'en femme. C'est son idée. Bah, j'en sais rien. Moi, je trouve qu'il vaut mieux rester tel que la nature vous a fait. Enfin, si elle veut absolument être un homme, dans sa tête, c'est un homme. Ce qui est étrange, c'est qu'elle a tué son amant. On peut trouver une explication psychologique. Elle tue son amant alors qu'elle est elle-même devenue un homme. Et qu'elle est une femme. Ah bah oui, bah ça c'est une circonstance atténuante, importante. C'est dit, après, quand on joint tous les petits bouts, tous les petits morceaux du puzzle, effectivement, son geste, ouais, on peut le comprendre. J'ai appris ça par la presse. Ils se sont bien fendus la gueule, d'ailleurs, la presse. Ils ont titré, je me souviens plus, Père Noël assassin, un truc horrible, quoi. Que ce sont des presses de droite ou de gauche, ils ont sauté sur le morceau comme des commerçants, quoi. C'était dégueulasse. Parce que, ouais, remarque, il y avait de quoi, tu te rends compte ? Père Noël, homosexuel, travesti, assassin, c'est génial ça ! Quelle histoire compliquée ! Elle m'a eu, hein, parce que je jamais savais pas qu'il était, qu'il était une femme. Jamais. Oh, tout à fait. La laisse dans sa merde, alors totalement. Hein. Ah oui, ça. Elle est dans sa merde, qu'elle y reste, qu'elle est en prison, qu'elle reste où elle est. Qu'elle reste où elle est. Je l'avais suffisamment prévenu comme ça. Hein. En sortant, en tout cas, je crois qu'elle est une cure de désintoxication mentale importante. Hein, parce que c'est une femme profondément perturbée. Elle marche à côté de ses pompes depuis longtemps.
Voilà. Ouais. Toi, tu improvises là-dessus, c'est la base. Ouais. Não sei por que tu te fosse de mim. Eu pensei, foi mentira, eu pensei. A vida é assim, eu vou encontrar um amor que me faça melhor. Na vida tudo é assim. Alguém te roubasse de mim. Não sei o que penso, mas vou encontrar um amor que me faça achar. As coisas são boas, eu sei, meu amor. Só desejo um amor encontrar.